notti in circa di scambia, a volte patrioti padrioti a cristal, un sogno cittadella, un buio a stagia, un'idea zidella di tempi e tempi fa. habilité à diriger les recherches. Il est géographe, rattaché au STAPS, et ses thématiques de recherche sont la nature, la montagne, la construction des territoires, les territoires. Et il vient nous parler aujourd'hui euh, de montagne, justement, et de tourisme de montagne. Et avec un titre qui est pour le moins original, hein, le Monté de dépasse-t-il le Mont-Blanc dépasse Mont Alors c'est un titre qui pour nous nous plaît, du moment qu'on dépasse ce qu'on ne peut pas dépasser, ça nous plaît, on est très chauvin. Euh, et euh, ce, ce titre-là et cette conférence-là fait suite à l'écriture d'un ouvrage qui est paru en 2021, qui euh, s'intitule Montagne et Tourisme, essai sur la concurrence des territoires des Alpes du Nord aux Pyrénées centrales. Voilà, alors je voudrais dire aux étudiants, et notamment aux étudiants d'art, euh, que... Comme nous l'étudions en anthropologie des pratiques du spectacle, le sport, euh, dans sa dimension collective, est parfois spectaculaire aussi et peut être étudié en tant que tel, même s'il n'y a pas la dimension artistique dans l'intention. Voilà. Donc, à bon entendeur, préparez vos questions. Voilà. Merci beaucoup pour votre venue et pour enrichir euh, par votre connaissance cette programmation du Centre culturel. Euh, donc. Merci, un grand merci de, de cette présentation euh, flatteuse. Effectivement, euh, ravi d'avoir accepté cette invitation euh, de venir au sein de l'université de Corse, université Pascal Paoli. Euh, merci donc à la directrice du centre culturel euh, Davia de cette organisation, de cette programmation. Euh, directrice euh, de beaucoup d'activités de, et, de, et de dimensions culturelles euh, dans cet espace où nous sommes, et euh, j'ai eu un aperçu de, de ce qu'elle faisait de remarquable. Euh, merci également au directeur de l'UMR CNRS euh, de Lisa, de. de de l'université pour ces liens à la fois scientifiques, culturels, qui font ces relations universitaires. Comme présenté, donc, je suis universitaire, enseignant chercheur, et je travaille sur ce qui fait les territoires et le moyen par lequel se font les territoires, c'est notamment les pratiques corporelles et le rapport du corps au territoire il y a euh, des moyens de faire le territoire qui ne passe pas par le corps. mais il y en a euh, un grand nombre qui passent par le corps euh, du plus euh, institutionnalisé que l'on appelle le sport avec des fédérations sportives, etc., à des pratiques les plus libres et notamment euh, le simple fait de euh, être dans la nature de se baigner dans la nature, euh, de voler dans les airs euh, en parapente ou en delta plane. C'est une manière d'habiter le territoire. C'est donc de cela dont je suis venu parler, effectivement à partir euh, de mon ouvrage, Montagne et Tourisme, et c'est sur la concurrence des territoires euh, dont vous pourrez euh, retrouver des, des exemplaires. J'en je, offrirai un, euh, bien entendu, à votre directrice. et euh, ce sera donc un grand plaisir d'échanger autour de, de ce livre. Je vais vous parler de, des montagnes, principalement des montagnes françaises, ou plutôt des montagnes de, de France métropolitaine. Euh, et j'en amènerai à... Quelques conclusions qui peuvent euh, amener à d'autres montagnes du monde et notamment euh, celle euh, extrêmement remarquable de la Corse. Donc je ne vais pas directement euh, vous parler de la Corse, mais les conclusions que j'ai amenées vont permettre de répondre à cette question. Euh, le Monte Cinto, avec ma prononciation. Euh, de d'extérieur que je suis à vous, ou Montecinto, si je voulais euh, euh, me, me prêter à, à ce qui est de la langue, euh, dépasse-t-il le Mont-Blanc euh, Le Montecinto dépasse-t-il le Mont-Blanc Eh bien, euh, je vais vous répondre durant cette conférence. Je vais dire deux choses. La première, c'est que Finalement, je ne sais pas si cette conférence va être tellement utile et nécessaire et vous intéresser, car tout ce que je vais vous dire, finalement, ne vous concerne pas beaucoup, euh, parce qu'en fait, vous n'en avez pas vraiment besoin en Corse, puisque, et c'est la deuxième partie, la réponse que je vais donner, c'est est-ce que le Monte Cinto dépasse le Mont Blanc La réponse est oui, c'est ce que je vais vous montrer. Euh, et donc finalement, puisque euh, vos montagnes dépassent le Mont-Blanc, vous n'avez pas besoin euh, de lire mes livres, mon livre, ou, ou d'écouter ce que j'écris. Mais quand même, j'espère que vous allez l'écouter un peu pour comprendre pourquoi je peux arriver à vous montrer euh, une telle géographie. Pourtant, je vous assure, je suis docteur en géographie euh, de l'Institut de géographie alpine à Grenoble, et je viens effectivement vous dire que... Euh, le Monte Cinto dépasse le Mont Blanc. Alors, euh, d'abord, quelques éléments préalables. Si euh, le diaporama veut bien avancer, il doit falloir. Voilà. Voilà. Euh, Quelques éléments euh, d'introduction pour dire dans quelle géographie et de quelle géographie je vous parle. Euh, je ne vous parle pas de géomorphologie, je ne vous parle pas de tectonique des plaques, je ne vais pas vous annoncer un, un, un surélèvement euh, des plaques qui viendraient euh, élever euh, le massif de Bavela à, à quelques 6000 mètres d'altitude. Euh, je ne vous parle pas de toponymie, de topométrie, je ne vous parle pas de hygiène, je vous parle de géographie sociale et culturelle, de la construction symbolique des territoires. Euh, dans ce cadre-là, notamment, euh, les auteurs, euh, Bernard de Barbieux, Romain Lajarge et d'autres auteurs ont montré, et, euh, bien avant, au centre de Michel Chadefaux, a montré qu'il n'existe pas à l'État... Euh, neutre de euh, ressources euh, naturelles. Cette idée qu'il existerait des territoires riches et des territoires pauvres, qu'il existerait des endroits où il y a des ressources naturelles, par exemple la Sierra Leone serait par définition un endroit riche, peut-être un des endroits les plus riches du monde, euh, et qu'il existerait des endroits pauvres, par exemple, euh, je ne sais pas, la Finlande. Euh, ou peut-être la Suisse, par exemple, qui serait un endroit profondément pauvre. La Suisse, il n'y a pas plus pauvre que la Suisse. Et il n'y a pas plus riche que la Sierra Leone. Si on prend les ressources naturelles dans la définition de Vidal de la Blache au début du siècle, la Sierra Leone, vous le savez, c'est le pays de trois principales ressources en Afrique. L'eau, c'est un des rares états d'Afrique qui est euh, très irrigué, qui est riche en eau. C'est surtout le pays où il y a de l'or. Il y a des mines d'or, des, des, de l'or, et il y a des diamants en Sierra Leone. Donc il n'y a pas plus riche que la Sierra Leone. Et à l'inverse, en Suisse, je ne connais pas bien la géographie suisse, et euh, peut-être mes collègues m'en voudront énormément, mais je suis peu informé des ressources en diamants et des ressources en or de la Suisse, mais euh, je doute qu'elles égalent euh, ceux de la Sierra Leone. Euh, ça, c'est une géographie qu'on considère dépassée, une géographie déterministe, qui voudrait qu'il existe des ressources, une fois pour toutes. On considère plutôt que la ressource n'existe que par le projet, que c'est le projet des hommes à un moment de leur époque, de leur histoire, qui active le projet et qui fait qu'il y a ressources. Par exemple, il y a 150 ans, sur les sommets du plateau des Corbières, que je connais bien, un peu vers chez moi, dans ce roussillon des, des, des Pyrénées méditerranéennes, il y a, aujourd'hui c'est en ruine, des moulins à vent. Il y avait des moulins à vent parce qu'il y a 150 ans, on, on fonctionnait avec le vent comme une ressource et on faisait tourner les moulins à vent. Et puis vous le savez, les moulins à vent n'existent plus, ce sont des ruines, tout est électrique, euh, c'est complètement dépassé, il n'y a plus aucune ressource dans le massif des Corbières. À part que depuis 10 ans, on est en train de mettre des éoliennes partout. Et que, aujourd'hui, on parle de gisements de vent. Lorsqu'ils viennent installer des éoliennes avec des contrats extrêmement lucratifs, ils parlent de gisements de vent. Donc, il y a 150 ans ou 200 ans, il y avait une ressource, euh, le vent. Il y a 40 ans, il n'y avait plus aucune ressource. Et aujourd'hui, il y a une ressource. De la même manière, si on trouve... Euh, Là, un petit filon de, de charbon. Est-ce que ce sera vraiment une ressource extraordinaire si on trouvait un morceau de charbon sous les murs du centre culturel Je ne suis pas sûr. Euh, par contre, si on trouve un geyser de pétrole, voilà une ressource, c'est formidable. Mais il y a 300 ou 400 ans, prenons 400 ans, est-ce que du pétrole aurait été une ressource Non. Il y a 400 ans, le pétrole n'était pas une ressource. Et Inversement, quelque chose qui était une ressource, peut-être je ne sais pas moi, un endroit où il y avait euh, des plantes médicinales, etc., qui était une ressource extraordinaire pour les hommes d'autrefois, aujourd'hui, euh, les gens piétinent ces plantes euh, en considérant peut-être comme fou celui qui voudrait se soigner avec ces plantes. Donc, dans notre géographie sociale et culturelle qu'on appelle constructiviste, les éléments, les ressources sont construites et ne sont pas données. Il n'existe pas de ressources à l'état neutre, à l'état naturel. C'est à partir de ce postulat que je me suis interrogé sur la notion de majeur ou de mineur, sur la territorialité, sur la, sur la construction de ces montagnes. Alors. Ces montagnes, quelles sont-elles euh, De mes études, de mes recherches, euh, avant même de vous discuter de ce dont je parle, il faut se rappeler que les montagnes, tout comme la mer, étaient un espace extrêmement rejeté. Au départ, la montagne, c'est un endroit effrayant, c'est un endroit dangereux où il y a des éboulements, des avalanches. C'est un endroit où l'on pense que l'on va mourir et périr si l'on dort dans la neige. On pense qu'on ne peut pas dormir dans la neige, et ce qui aujourd'hui se fait avec des, euh, des duvets, des toiles de tente, etc., toute la technique, euh, va être en quelque sorte découvert avec la première nuit passée par. Euh, euh, le, un petit peu l'entourage le, de ceux qui vont faire la première du sommet du mont Blanc, qui vont dormir euh, sur, euh, sur le glacier au mont Blanc, qui vont découvrir qu'on ne meurt pas forcément si on est suffisamment euh, réchauffé. Euh, soit dit en passant, il y a plusieurs siècles que les Esquimaux dormaient déjà dans la neige. Mais en Occident, dans l'Occident qui est le nôtre, cela n'était pas n'existait pas. Et cela là été considéré. Bon. Tout comme la mer, alors je vais pas faire la conférence sur la mer, mais il faut savoir qu'il y a des siècles, la plupart des hommes, au sens des humains, euh, ne savaient pas nager et que le fait de tomber dans la mer était synonyme de noyade. Parce que quand on ne sait pas nager, et donc euh, ça peut vous étonner, mais euh, même les petits bretons, euh, même les marins ne savaient pas nager. Donc ils montaient sur un bateau. Mais il ne fallait surtout pas tomber à l'eau. Alors, il y avait quelques-uns quelques qui savaient nager, mais enfin, le, la grande partie de la population, y compris en Bretagne, y compris dans les familles de marins, ne savait pas nager. Et tomber à l'eau signifiait une mort certaine. Donc, c'était un espace extrêmement rejeté, mystifié. On imaginait des pieuvres géantes au fond de l'eau qui allaient engloutir on imaginait des monstres alors je pourrais vous parler de, de mon roussillon avec le, le monstre du canigou avec le dragon dans sa grotte etc c'était un espace extrêmement mystifié euh, avec des gravures qu'on retrouve de, qui portent trace de tous ces animaux fantastiques euh, puis dans un deuxième temps cette montagne va être au contraire une montagne attirante alors bien sûr vous l'avez sans doute euh, euh, pour certains, pour ceux qui sont étudiants, euh, étudiés, euh, le, le, le romantisme, Jean-Jacques Rousseau, euh, le siècle des Lumières, tout ce changement de regard qui va amener à euh, être attiré par la montagne, à voir la montagne comme étant belle, à voir la montagne comme étant pure, la, 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 la blancheur de la neige, la pureté de la montagne. Tout ça, c'est un changement de retard, c'est un changement de représentation. Et là, ça me permet de souligner le deuxième aspect de euh, la géographie que je fais, cette géographie sociale et culturelle constructiviste, c'est que non seulement les ressources n'existent que par les projets, mais les territoires n'existent en grande partie que par les représentations. C'est la représentation des territoires qui définit leur construction. C'est-à-dire que euh, c'est parce que je délimite ici un espace culturel. Que nous sommes dans un territoire culturel. Mais c'est la représentation de cet espace que je me fais. Et euh, peut-être que d'autres personnes, qu'à d'autres moments, les représentations seraient différentes. Voilà, dans une sorte de sommaire, bon, là, je le prends de la conclusion plutôt, mais euh, je peux dire déjà que l'ascensionnisme, je ne parlerai pas d'alpinisme, puisque alpinisme est déjà la première forme d'imposition, et ce n'est pas devant des collègues compétents en langue que je me lancerai dans une analyse lexicographique. Mais alpinisme, on va en reparler, est une forme d'imposition sur un mot qui existe en anglais. Il n'a pas eu lieu, Mountaineering. I will go to Mountaineering. Euh, Ascensionnisme. Donc, l'ascensionnisme va euh, subir une invention et définition par un certain nombre d'acteurs dans un certain lieu. Alors, je ne vais pas suivre, euh, je pense, au risque d'être très long, très, euh, très ennuyeux, une sorte de de schéma, je vais plutôt prendre quelques points saillants. Premier élément, l'ascensionnisme en tant que tel euh, existerait sous des formes euh, extrêmement variées. Mais un certain nombre d'acteurs, notamment les Anglais, va définir l'ascension d'un point élevé par son altitude avec un objectif technique, symbolique, de réussite d'arriver au sommet rocheux d'une montagne comme une activité en tant que telle. Mais c'est une construction, cette activité. Euh, Peut-être que cette activité n'existera pas dans un siècle et cette activité n'existait pas il y a euh, quelques siècles auparavant. Euh, donc je vous donne les points saillants et puis j'y reviendrai. Le plus extraordinaire, c'est le ski. Le ski, c'est très très intéressant. Le ski était au départ une pratique utilitariste, une pratique euh, même utilitaire, pardon, je, 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 je dis une bêtise, on n'est pas dans l'utilitarisme, on est dans l'utilitaire au sens euh, noble du terme. Euh, le ski était un moyen de parcourir les grandes plaines enneigées, euh, principalement des pays scandinaves et de Russie. Euh, on transportait, euh, on transportait le courrier, on transportait le bois. Euh, et puis il y avait en fait, quand on avait des choses plus lourdes à transporter, là on faisait avec du char, un char avec des, soit des chiens, ce qui va devenir un traîneau. Euh, mais quand on voulait simplement transporter une personne avec un sac et peu de choses, eh bien on, on faisait du ski. Et le ski tel qu'il a été euh, inventé, développé, était une activité de parcours de distance euh, qui serait aujourd'hui ce qu'on appelle le ski de fond. Euh, plutôt entre le ski de fond, on serait plutôt alors il y a plusieurs versions, mais on serait plutôt dans ce qu'on appelle le ski alpin, le classique. On serait pas dans le skating si on divise les. Euh... Euh, et puis quelques bourgeois et quelques hôteliers. Des grandes stations alpines, Zermatt, euh, Megève, euh, bien sûr Megève, l'un des plus célèbres, et puis euh, uh, Cortina d'Anpezzo en Italie, vont s'emparer de cette activité pour essayer de distraire leurs clients, les bourgeois je vous fais un résumé très approximatif, mais les bourgeois vont faire du ski, du hamel, le premier ski, etc., dont on a déconstruit hein, tous ces mythes. Mais je vous donne juste quelques images. Euh... Et cette activité dans les Alpes, vous avez compris que les Alpes c'était pas bien bon pour le ski, c'était pas adapté pour le ski, parce que dans les Alpes vous avez des grandes pentes partout avec des pics rocheux. Donc ça ne va pas du tout pour le ski. Donc il n'y a pas de pire endroit pour faire du ski que dans les Alpes. Dans les Alpes, ça ne va pas pour le ski. Mais les acteurs des Alpes ne vont pas trouver que ça ne va pas à les Alpes. Ils vont transformer le ski. Ils vont attacher la semelle derrière. Ils vont mettre... Euh, les personnes dans la pente, ils vont transformer ça en une sorte d'épreuve de vitesse et ils vont rebaptiser l'activité ski alpin. Et aujourd'hui, quand on parle de ski, on parle de ski alpin, c'est-à-dire la définition d'une pratique conçue par des acteurs pour leur propre territoire. Et c'est là où je vais en venir à ce dont je vous parlais, c'est qu'il n'existe pas d'autre, de meilleur moyen de dominer une pratique que d'en définir soi-même les règles. Ça. C'est la sociologie déterministe euh, qui l'a déjà montré. Et les Alpes vont devenir le grand domaine skiable. Les plus grandes stations de ski sont dans les Alpes. Les plus grandes pistes de ski sont dans les Alpes, bien sûr, puisqu'ils ont fabriqué l'activité à leur image. Alpinisme, j'y reviens. Cet ascensionnisme va se concentrer sur quelques sommets rocheux, et là je pourrais remontrer euh, ces photos, euh, voilà cette image d'épinal de l'alpinisme, et dès lors, il n'y a pas de meilleur espace pour faire de l'alpinisme que les Alpes. Bien sûr, ils l'ont baptisé et nommé à leur image. Et effectivement, dans la plaine du Roussillon, dans le massif des Corbières, dans le massif des Alberts, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est un massif de montagne que j'affectionne particulièrement, dans le massif central, ce n'est pas fait comme ça. Du coup, ça ne va pas bien pour l'alpinisme. Et comme on définit l'alpinisme comme étant l'activité principale, comme étant la méthode légitime, d'usage de l'espace, et eh bien les autres sont en dessous, les autres sont inférieurs. Euh, je pourrais vous parler aussi, et c'est très intéressant, du hockey sur glace. Le hockey sur glace, c'est intéressant. Le hockey sur glace, euh, donc vous connaissez, sur des patins, euh, c'est une activité qui apparaît. Dans les grandes plaines du Canada, dans les grands espaces du, du nord de l'Amérique du Nord, euh, donc vraiment la, la, la partie la plus au nord de ce double continent américain, sur des lacs gelés, principalement, euh, principalement dans les proches des centres urbains. Donc on est dans des plaines proches des centres urbains, les lacs sont gelés et les jeunes vont, euh, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs vont faire du hockey, alors au départ sans doute avec un petit morceau de bois, et puis après le morceau de bois est sculpté, taillé, etc. Bon, rien à voir avec la montagne. Absolument rien à voir avec la montagne. Les grandes plaines euh, du nord de l'Amérique du Nord, bon. Mais lorsque l'activité s'importe en Europe, ce sont les stations de sports d'hiver, les bourgeois de, de alpins, les acteurs du monde alpin, qui vont utiliser cette activité, là encore, pour rejoindre cette grande famille des sports d'hiver, ce qu'on appelle les sports d'hiver. Et donc, on va concevoir des patinoires, on va euh, construire tous ces éléments en montagne, bien sûr, la patinoire de Megève, euh, la patinoire de Courchevel, que j'ai eu la... La, la chance de fréquenter quelque temps, euh, la patinoire de Grenoble, que je connais un petit peu, euh, donc les, les villes de montagne, euh, Albertville, Jeux olympiques 1992, euh, les Jeux olympiques d'abord auparavant, hein, les premiers Jeux olympiques de l'histoire, 1924, Chamonix, Mont-Blanc, patinage. Et là, progressivement, les acteurs, les représentations... Recode l'activité comme étant une activité de sport d'hiver. Et sport d'hiver égale, derrière ski alpin, etc., égale station de sport d'hiver, égale Alpes. Et les Alpes deviennent la référence du hockey. Et il n'y a pas plus prestigieuse équipe que les brûleurs de loups, qui sont l'équipe de hockey sur glace professionnelle de Grenoble. Et voilà comment une activité de plaine urbaine. Est devenue une activité alpine. Et donc, tout ça pour vous montrer comment les acteurs d'un territoire, en l'occurrence les Alpes du Nord, qui est, j'allais dire, que l'une des toutes petites parties des euh, reliefs d'Europe occidentale, va constituer une supériorité dans un champ, au plan territorial. Alors, juste une petite euh, presque anecdote. Euh, la fin de l'histoire sur le hockey sur glace, euh, mais après je continue. La fin de l'histoire, c'est qu'en fait au tournant euh, des années 2000, et là il faut plutôt se référer à la thèse, euh, la thèse de doctorat d'un ancien collègue de, euh, de Grenoble, euh, qui a travaillé sur l'évolution la, 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 du hockey sur glace, sa professionnalisation, et qui a montré que tout comme il y a eu l'arrivée de ce qu'on a appelé l'argent du football, avec la révolution Bernard Tapie, toute cette évolution du champ du football qui avait été étudiée par Fort et Suo dans Acte de la recherche en sciences sociales. Eh bien, l'argent va arriver dans le hockey sur glace professionnel avec la professionnalisation du hockey sur glace. Et du coup, ceux qui peuvent l'emporter et acheter les meilleurs joueurs, ce sont les plus riches. Et les plus riches, ce sont les grandes villes. Et donc au tournant des années 2000, et il faudrait revoir ces travaux, la professionnalisation va faire que les plus riches vont acheter les meilleurs joueurs, et que des villes comme Caen, en Normandie, euh, Paris, euh, Strasbourg, des, des, des grandes villes vont avoir les meilleurs joueurs et vont gagner en hockey sur glace, et la professionnalisation va faire revenir... Dans les grandes villes le hockey sur glace. Et aujourd'hui en 2022 où nous sommes, eh bien les équipes de montagne sont un peu en perdition face aux grandes villes. Et aujourd'hui le hockey sur glace professionnel en France est revenu une activité plutôt de grandes villes et pas une activité de montagne. Voilà. Comme quoi les choses changent, la roue tourne. Euh, donc je pourrais comme ça vous multiplier les vous multipliez les, les exemples. Euh, sur la Via Ferrata, la Via Ferrata, c'est très intéressant, surtout que ça me permettra de vous parler un peu de l'Italie. Et en conclusion, c'est peut-être la seule limite que je ferai à la supériorité du Monte Sinto. Euh... La Via Ferrata apparaît en Autriche et en Italie, dans un contexte historique sur lequel je ne reviendrai pas. Qui est à la fois militaire, à la fois distractif, puisque vous savez qu'il euh, y, y a un débat historique sur, euh, entre l'Autriche et l'Italie, euh, etc. Bon. Euh, cette via Ferrata va se transformer en euh, loisir euh, tout à fait offert au grand public. Euh, dans les années 80, avec une démocratisation très forte et une commercialisation d'entreprises qui produisent et qui construisent tout cela. Euh, un pays qui va rapidement mettre en place des via ferrata, c'est l'Andorre. L'Andorre, c'est un petit pays d'Europe, d'Europe géographique, mais pas d'Europe politique, donc on n'est pas en Europe. En Andorre, on n'est pas en Europe en Suisse. Non plus, je vous rappelle. Euh, deux États d'ailleurs qui, qui se portent très bien sans être en Europe. Euh, et euh, vont construire neuf Via Ferrata. Donc en Andorre, vous avez neuf Via Ferrata dans les années 90. Mais dans les Pyrénées françaises, vous n'en avez aucune. Et puis dans les Alpes du Nord françaises, les premières Via Ferrata vont être équipées. Une entreprise, puis deux entreprises vont se spécialiser dans la construction de la Via Ferrata, l'entreprise Prism, basée au-dessus de Grenoble, etc. Euh, et à partir du moment donné où Grenoble développe une industrie de la Via Ferrata avec la construction de matériel pour la Via Ferrata, avec bien sûr PEDS ou PEDSEL, l'entreprise de matériel d'escalade qui construit des kits de Via Ferrata, etc., etc., à partir de là, les Pyrénées. Appellent les acteurs des Alpes du Nord pour leur demander comment construire des via ferrata et font venir les entreprises des Alpes du Nord pour faire des via ferrata dans les Pyrénées, alors qu'ils n'avaient qu'à se retourner vers leurs voisins d'Andorre. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ça me permet d'amener, et donc c'est un petit peu ma deuxième partie, donc vous euh, voyez le, le, le diaporama. Euh, euh, je m'en éloigne de plus en plus. La deuxième grande partie, c'est euh, un exemple d'infériorité. Co comment, euh, quel meilleur exemple puis-je vous donner de symbole d'infériorité que les Pyrénées Les Pyrénées, euh, c'est le, le, on va dire, le. Euh, en, en très grande partie l'infériorité parmi les infériorités c'est à dire que les acteurs des pyrénées alors ça c'est le sujet en grande partie le sujet du livre euh, donc je, 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 je vous laisserai aussi euh, le lire pour euh, pour plus les pyrénées ne vont cesser que de regarder ce qui se fait dans les alpes pour voir comment on fait dans les alpes et pour essayer de faire presque aussi bien donc, station de ski alpin, on va construire, par exemple, plan neige, troisième génération, euh, euh, donc dans les grandes lois-programmes euh, des années De Gaulle, Herzog, etc. Je ne reviens pas sur l'histoire politique de ce moment. Et dans les Pyrénées, avec dix ans de retard, on construit des stations intégrées de type troisième génération, comme on le faisait dans les Alpes dix ans auparavant. Lorsqu'un architecte alpin est un peu connu. On va essayer d'avoir l'architecte des Alpes du Nord pour construire les chalets dans les Pyrénées. Lorsque l'on arrive, alors là je pourrais vous donner, mais après j'y ai beaucoup travaillé, ce serait trop long. Je... Lorsqu'on arrive dans plusieurs vallées des Pyrénées, et notamment la plus, la plus incroyable, c'est la Vallée d'Or, on vous explique que la Vallée d'Or, c'est le petit Chamonix des Pyrénées. Mais comment peut-on s'élever si l'on se réfère à un autre territoire en s'affirmant comme étant presque aussi haut. On se définit soi-même comme étant plus bas. Euh, après, bien sûr, là, je ne vous l'ai pas mis, mais il euh, bon, y, y a des, des choses. Euh, bon, D'abord, tout le registre de la publicité. Alors moi, j'avais étudié la publicité sur la montagne. Toutes les publicités, c'est toujours les Alpes, c'est toujours les Alpes, les montagnes des Alpes, les glaciers des Alpes. Et puis il y a, euh, mais là c'est un, bon, je l'avais, j'avais fait vraiment, euh, il y a à peu près 15 ans à Saint-Lary, il y a une publicité pour le ski à Saint-Lary qui dit venez skier à Saint-Lary, euh, vous, vous pourrez avoir de la, de la bonne, euh, de la bonne montagne, de la bonne neige, etc. Et la photographie qui est prise de montagne eh bien en fait c'est un morceau de la vallée blanche au-dessus de chamonix-mont-blanc le panneau publicitaire qui vantait saint lary c'était une photographie des alpes donc euh, et, et puis je, je peux continuer je peux continuer euh, vous avez les acteurs des pyrénées qui disent mais quand on leur parle de grands projets, de Jeux olympiques, ils disent ⁇ Non, nous, on n'y arrivera pas ⁇ on n'y arrivera pas, on est dans les Pyrénées. Ça serait dans les Alpes, ça pourrait marcher, mais ici, ça ne pourra pas marcher. ⁇ Vous voyez un peu l'attitude d'une telle réponse. Euh, je pourrais vous en faire une liste considérable. Après, euh, là, c'est un travail que j'avais mené sur la formation des guides de haute montagne, à l'ENSA. Et pour résumer, j'avais montré dans ce travail que la formation des guides était à la fois une formation technique, ça c'est assuré, de très haute qualité, mais aussi une sorte d'endoctrinement à la définition de la montagne et du relief par et pour les Alpes. Tout est référé aux Alpes du Nord. Les exemples. C'est les Alpes du Nord. Les techniques, c'est les techniques des Alpes du Nord. Et donc, quelque part, le, les guides de haute montagne, euh, dans leur certification, diffusent à travers le monde entier, puisque les guides de haute montagne français ont un rayonnement considérable, diffusent l'idée que c'est les Alpes du Nord qui définissent ce qu'est la montagne et ce que doit être la montagne. J'ai quand même une exception. Je, je voudrais souligner parce que c'est tout à fait étonnant. Mais c'est remarquable. C'est le Club Alpin Français. Le Club Alpin Français qui est une grande institution historique française de la montagne, qui est au départ euh, dans une visée patriotique, euh, euh, républicaine. Euh, je ne devrais pas dire ça, c'est faux, mais ce que vous appelleriez aujourd'hui nationaliste. Euh, euh, puisque bon, le, le, ça, tout ça c'est un petit peu trop résumé pour être juste, c'est presque un peu caricatural, mais de redire que les, les insignes c'était pour la euh, patrie, par la montagne, donc pour la patrie, par la montagne. Donc on est dans. Bon. Alors lorsque j'ai fait mes études dans les archives, donc à l'époque j'étais à Grenoble, et donc je suis allé aux archives du Club Alpin Français, tout ça, et. Je m'attendais à une euh, euh, reproduction alpine et non. C'est un peu une exception, c'est-à-dire que dans les grandes institutions euh, françaises de la montagne, à la différence de l'Ensa, à la différence de l'école militaire, je vous ai pas parlé de l'école militaire de haute montagne, euh, je pourrais vous parler du, du, du GHM, je pourrais vous parler de d'autres structures euh, qui lui dépend en partie du CAF, tout ça. Bon, mais euh, le club alpin français va faire preuve d'une certaine neutralité, avec derrière aussi une visée coloniale, puisqu'il a le, le, le club alpin français, il existe une section du club alpin français euh, à, euh, en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Euh, il y a toute une vision coloniale du club alpin français. Euh, et la, la diversité des montagnes, il y a des travaux du club alpin français sur le Haut Atlas, sur. Voilà, ce serait trop long et de le dire de manière si résumée, ce n'est pas très juste, mais il n'y a pas dans le discours et dans les archives du Club alpin français un discours alpino-centré comme on peut le retrouver dans les autres institutions. Donc c'est un petit peu étonnant, mais c'est juste. Il faut, Quand on fait de la recherche, c'est justement pour... Euh, c'est pas pour euh, confirmer ces euh, hypothèses, c'est pour euh, examiner objectivement une hypothèse. Ce qui est important, parce que sinon, on ne serait pas chercheur. Si c'est pour dire ce que je pense au départ, dans ce cas-là, on, on est militant, on est politiste. On, pas politiste, d'ailleurs, on est militant politique, mais on n'est pas chercheur. Le chercheur recherche la neutralité. En tout cas, c'est une définition de la recherche à laquelle je, je m'accorde. Euh, donc, on va un petit peu, j'allais dire, en, en, en rester là parce que je, je, je pourrais, je, je, serais, je serais, long si je détaillais de manière plus 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 enrichie chacun de ces exemples. Mais voyez un petit peu comment les Alpes du Nord ont construit une supériorité dans le champ du rapport à la nature et à la montagne, qui est particulièrement fort et qui est particulièrement fort, notamment dans les Pyrénées. C'est vrai en Alsace, c'est vrai dans les Vosges et le Jura, les deux autres massifs de montagnes, de, de, on va dire, de au-dessus des Alpes du Nord en France. Euh, et c'est particulièrement vrai dans les Pyrénées. Euh, J'en suis même arrivé à un moment donné à parler de... Alors c'est un travail qui est en cours, j'ai travaillé sur la notion de stéréotype, de stéréotype territorial. Et euh, je, je travaille actuellement sur le stéréotype des Pyrénées, sur leur, leur souffrance euh, à travers ce stéréotype. On pourra d'ailleurs en parler dans les, dans les questions, dans les échanges, puisque le, le, le but de cette conférence est aussi euh, que nous puissions avoir des, des échanges. Euh, le. Il y a alors euh, dans les Pyrénées, il faut quand même pas que je. Il y a eu deux, deux tentatives, deux voire trois tentatives. La première tentative, qui à mon sens est en quelque sorte un échec, je suis un peu sévère, mais c'est le pyrénéisme. Le Pyrénéisme, qui a été énormément discuté, qui a fait l'objet de nombreuses publications à la fois littéraires et scientifiques, sur lequel j'ai moi-même euh, travaillé, publié, qui pour certains est accusé comme étant une domination alpine de plus, moi je crois que le Pyrénéisme était bien une tentative de se distinguer des Alpes. Je, je crois que la tentative était juste. Mais je crois qu'ils avaient intellectuellement tellement intériorisé les outils alpins que le pyrénéisme a eu de la peine à se distinguer. Ils ont eu, il y a eu une tentative quand même autour de quelque chose. J'ai publié un article hein, euh, que vous pourrez retrouver, vous pourrez retrouver aussi dans le livre euh, sur le piton d'escalade, en escalade, en ascensionnisme. Euh, eh bien, au à la veille de la Première Guerre mondiale, des, des alpinistes vont inventer l'idée de mettre une tige dans la roche pour pouvoir y accrocher la corde et pouvoir faire un point de passage entre deux personnes encordées. Puisque pendant longtemps, deux personnes s'encordaient sans rien entre nous. Si le second cordé venait à tomber, le premier le retenait en force. Et si le premier venait à tomber... Bien souvent, il entraînait dans sa chute le second, à tel point qu'il y a des alpinistes à une période qui refusent la corde, qui disent la corde, c'est plus dangereux qu'autre chose. Mais des alpinistes vont avoir cette idée de mettre des points entre la cordée, ce qui deviendra aujourd'hui le, le, euh, le, le piton d'escalade qu'on connaît, avec le goujon, le spit, la broche, puisqu'actuellement on est sur des broches en scellement chimique, euh, dans la dernière génération d'équipements des sites d'escalade. Eh bien, ce piton, en fait, il va y avoir un débat qui va s'instaurer entre les Alpes occidentales et les Alpes orientales. Et pendant toute une époque, principalement l'entre-deux guerres, eh bien, euh, le piton d'escalade va rentrer dans les mœurs des Alpes orientales, en Italie, en Autriche, tandis que... Le Chamonix, l'école chamoniarde, euh, Frison Roche, les grands alpinistes chamoniards, euh, et avant Frison Roche surtout, Charlet, tout ça, vont refuser le piton d'escalade. Et les Alpes occidentales vont s'opposer au piton d'escalade. Euh, et c'est concomitant à l'invention du mousqueton en acier, principalement par les Allemands. Euh, et donc là, il y, y a une concurrence entre les deux versants des Alpes. Et les pyrénéistes, donc là c'est un même important, dans l'entre-deux-guerres, vont adopter le piton d'escalade, c'est-à-dire adopter la technique des Alpes orientales et pas des Alpes occidentales, parce qu'ils sont en conflit avec Chamonix. Et donc, dans l'entre-deux-guerres, les pyrénéistes sont techniquement plus forts que les alpinistes. Donc les réalisations techniques des Pyrénées de. de de quelques-uns que je pourrais vous citer plus précisément, vont dépasser ceux euh, de, de l'alpinisme à la même époque. Voilà, donc je pourrais vous donner quelques comme ça, points précis, euh, plus documentés, mais globalement, le Pyrénéisme n'est pas parvenu à ce dépassement. Euh, les deux autres tentatives ne sont pas dans le champ des pratiques corporelles, ou très peu, c'est le thermalisme qui va être le grand âge d'or des Pyrénées et sur lequel j'avais consacré d'autres travaux. Et puis, et c'est euh, une autre chose, c'est dans le domaine religieux où les Pyrénées vont inventer une destination religieuse d'envergure mondiale qu'aucun acteur des Alpes n'aurait su avoir. Et cette destination mondiale, c'est bien sûr lourde les apparitions de lourdes et leur mise en système mondial est une réussite méridionale du sud de la France. Mais il n'est pas référé à une pratique corporelle, donc c'est pour ça que ce n'est pas dans notre domaine. Au terme de tout cela, je voudrais vous dire que, euh, par chance, par... Euh, alors je, je n'aime pas le terme de chauvinisme parce que c'est euh, trop sommaire pour désigner euh, ce qui est une construction politique, militante, territoriale, insulaire, euh, qui est tout à fait euh, extraordinaire sur le plan historique, sur le plan militaire. Euh, j'ai discuté dans un, quand je suis venu, j'ai un petit peu parlé. Euh, avec des randonneurs euh, sur les chemins, et euh, ils m'ont parlé des seigneurs de la Corse, des premiers seigneurs dans les montagnes, etc. Donc j'ai eu quelques éléments, et en Corse, je n'ai pas remarqué, je n'ai pas a priori de trace de ce sentiment d'infériorité dont souffrent les autres espaces de montagne. Par rapport au massif central, par rapport surtout donc aux Vosges, aux Jura, mais surtout aux Pyrénées qui, qui se complaisent dans une infériorité et un sentiment d'infériorité élevé à, à, d'une manière extraordinaire, eh bien, les, tout simplement, les Corses sont fiers de la Corse. Et ça peut paraître tout simple, mais apparemment pour les autres, ça ne l'est pas. Et en Corse. J'ai rarement entendu les même quand je suis en, en métropole tout ça. J'ai rarement entendu dire oh, la Corse c'est pas terrible pour le ski hein. non non pour le là euh, en ski la Corse ça va pas hein, c'est pas très adapté. J'ai pas tellement entendu ça. Est-ce que j'ai beaucoup entendu non mais en alpinisme il n'y a pas grand chose en Corse en Corse tu peux rien faire en alpinisme euh, c'est pas très haut puis euh, non au niveau des glaciers, euh, non les glaciers c'est pas bon en Corse, il n'y a, a pas des bons glaciers. J'ai pas tellement entendu ce discours. C'est-à-dire qu'au lieu de vous définir en creux, de vous définir par ce que vous n'avez pas, par vous, en, de vous définir par comparaison à ce que les autres ont, j'ai plutôt l'impression que vous vous définissez par rapport à ce que vous avez et plus adroit et plus pertinent que vous êtes, vous avez diffusé et appris socialement aux autres, euh, je dirais presque aux autres peuples, aux autres euh, collectifs, à vous percevoir par ce que vous avez. C'est-à-dire que lorsqu'un Parisien discute avec un habitant de Strasbourg, de la Corse, il y a plus de chances pour qu'il dise ⁇ je suis venu en vacances en Corse et il y a euh, des rochers extraordinaires, il y a des... Des tafonis, il y a des formes de rochers magnifiques, il y a, et je. Euh, donc c'est tout l'inverse de ces sommets-là. Il y a surtout des vasques extraordinaires avec les euh, cascades de Purkarachia. Euh, Pardonnez-moi, ce n'est pas si facile pour moi de euh, prononcer ces choses-là. J'entends plus souvent les personnes dire, mais il y a. Des plages extraordinaires, regarde ces rochers dans l'eau, c'est extraordinaire, plutôt que de dire il n'y a pas de glacier. Et donc, cette, euh, cette construction d'un territoire symbolique, politique, culturel, historique, qui se définit par rapport à ce qu'il est et qui construit sa supériorité lui-même, à mon sens, sur un plan de géographie sociale, Politique et culturelle permet de valider l'hypothèse selon laquelle euh, les constructions territoriales corses, et pas spécialement le Monte Sinto en tant que tel, ou, dépassent les constructions territoriales du Mont Blanc ou du massif euh, du Mont Blanc. Euh, mais. Avant que vous soyez tout à fait... Euh, qu'on puisse terminer tout à fait cette conférence, je, euh, je vais quand même dire une petite nuance un peu moins... Une légère... Euh, voilà, j'ai aperçu peut-être, donc je vais nuancer un petit peu mon propos, mais ce qui reste valable hein, pour moi, de tout ce que j'ai entendu sur la Corse, euh, de tout ce que j'ai vu, et notamment par... Je ne parle pas que des Corses, je parle de ce que vous nous avez appris à penser de vous. C'est-à-dire la représentation que vous avez véhiculée de votre territoire et qui fait que l'habitant de Strasbourg, de Clermont-Ferrand ou de Rennes, et même, pardon, de Genève, de Belgique et de tout cet espace, pense de vous. Donc c'est une représentation que vous avez construite que vous avez incarné euh, et effectivement qu'on voit même dans les publicités qu'on voit euh, ah, et qui a en quelque sorte infusé euh, dans la société amène à cette conclusion avec donc ce, ce léger euh, je vais terminer par une légère euh, euh, ouais, euh, nuance, c'est peut-être votre tentation à regarder non pas la France, euh, le continent, mais peut-être l'Italie. Et j'ai presque un peu entendu euh, parmi certains des randonneurs, des euh, discours... Euh, euh, des discours euh, parce que j'ai un petit peu parlé j'ai un petit peu rencontré en fait j'ai je me suis un petit peu j'ai fait un peu de d'ethnologie participante euh, ces derniers même d'ailleurs j'aime bien faire ça il hein. euh, y a quelqu'un dont je m'inspire qui s'appelle il euh, y, y a plusieurs auteurs mais notamment euh, Martin euh, de la soudière. Euh, Martin de la soudière qui se promène comme ça et puis qui discute avec les gens pour comprendre les lieux. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait parce que je, je suis allé voir, j'ai discuté comme ça, et je prends mon temps. Euh, et quand même, quelqu'un qui me montre des photos, qui me dit euh, le, de quoi il me parle, il me parle de... Cortina d'Anpezzo, c'est le massif de... Je ne me rappelle plus le nom. Euh... C'est les dolomites. Voilà, les dolomites, pardon. Eh bien, euh, il me montre les dolomites, c'est magnifique, les dolomites, etc. Des montagnes calcaires, alors que vous, vous êtes en granit. Donc... Et donc, s'il y avait un risque pour vous, si vous aviez apparemment une tentation d'infériorité, ça serait peut-être de regarder un peu trop les Dolomites, en Italie. Mais à cette exception faite, eh bien je vous confirme que euh, le titre de euh, ma conférence qui proposait euh, de vous démontrer, euh, qui proposait de vous démontrer, si je le retrouve, euh, combien le Monte Sinto ou pas dépassait-il le Mont Blanc, et que la réponse est positive et favorable. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci à vous, André. Le, le micro ne marche pas, non? Ah. Merci beaucoup pour ce voyage et pour aussi euh, nous avoir montré combien eh l'homme influe sur son milieu par sa pratique et combien le milieu influe pour sa, sur sa pratique aussi, ce qu'Augustin ce qu Berg appelle d'ailleurs la médiance, ce rapport au milieu. Euh, merci aussi pour cette ouverture et cette belle chute, d'avoir fait cette, toute cette investigation le temps que tu étais en Corse pour... Euh, pour Justement, cerner quelque chose d'accord, ce qui n'est pas qui est, qui, est, qui est bien senti parce qu'en effet, on a toujours cette, ce regard sur l'Italie plus que sur les Alpes ou les Pyrénées. Et, et en effet, on est peut-être moins porté à se sentir inférieur ou dans la lignée de, des Alpes telles que l'ont été, enfin, été les acteurs du, des Pyrénées. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point et eh bien. Un fait tel que les sports de montagne est un fait social total qui nous permet justement de, de tisser tout un rapport à nos sociétés, que ce soit d'un point de vue géographique, mais aussi symbolique. Et en Corse, on a beaucoup de croyances liées à la montagne, aux limites, et d'un point de vue politique, avec toutes les, les némicités, les rapports au territoire que ça peut apporter. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des questions. L'escalade pendant de nombreuses années et que j'ai vu naître en fait en Corse à, à, dans les années 70, à l'époque du réacquise, où cette réappropriation de la montagne, elle l'était par les bergers, bien évidemment, mais la haute montagne, elle a été. Elle, elle, elle a été euh, euh, les Corses se la sont appropriées parce qu'on avait évidemment des Autrichiens, des Français qui étaient venus auparavant. Euh, euh, justement, randonner et faire du ski chez nous. Mais dans les années 70, c'est vrai que notamment euh, quelques guides de haute montagne, et notamment Jean-Paul Cuiligi, qui est le premier guide de haute montagne corse formé à Chamonix d'ailleurs, puis Jean-Paul Poletti, avec toute son équipe, qui sont partis à la conquête de cette montagne corse et de cette haute montagne, et qui ont mis en valeur la pratique du ski de randonnée. Non, pas du ski de fond, mais du ski de randonnée avec ensuite d'autres guides formés également en France à Chamonix et qui ont, euh, re, qui ont donné le goût hein, aux nouvelles générations de s'approprier ces lieux et de pratiquer justement ces sports de haute montagne, notamment à travers le ski de randonnée et puis aussi le ski de fond. Voilà. Et l'escalade, notamment le canyoning, plus tard. Donc, tous ces sports qui se sont développés. Et on voit comment aujourd'hui, euh, cette appropriation du territoire, elle est forte au niveau du sport, puisque les trails et les courses de montagne se sont euh, développés, euh, énormément développés. Et puis, par rapport à notre GR, c'est vrai que. On en est, est fier et orgueilleux parce qu'on dit toujours que le GR Corse c'est l'un des plus sportifs de France et je crois que c'est l'un des plus sportifs de France si ça n'est le plus sportif avec beaucoup de pierriers, beaucoup de difficultés, euh, d'où euh, voilà euh, une expérience nécessaire quand on veut affronter ce GR là. Voilà, moi j'ai vite un cours là, je vais je vais m'en aller, mais en tout cas bravo. Euh, J'ai beaucoup apprécié ça, je me suis retrouvée dans cet univers que j'aime tellement. Voilà, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Merci, Madrid. Merci. Alors, déjà, euh, merci beaucoup pour cette conférence, c'était euh, très intéressant. Euh, moi, j'avais une, une question, justement. On parle, vous parlez beaucoup un peu de, de l'image sociale, un peu euh, l'anthropologie de, de la vision du territoire. Et, euh, vous, et comment dire, à quel vous pensez, enfin, comme on, on parle souvent ici en Corse, quand on parle d'anthropologie, on parle de, de l'insularité, et est-ce que vous pensez que justement cette vision des Corses assez auto-centré sur, sur leur territoire euh, et justement cette capacité à ne pas tant euh, se, se projeter dans, dans les autres territoires, parce qu'au final, entre, par rapport aux Pyrénéens, les, les Alpes nous paraissent bien plus lointaines euh, du fait de, de l'espacement de la mer et tout ça. Euh, Est-ce que vous pensez que justement cette insularité de la Corse, qui est un peu sa spécificité, pourrait expliquer cette, cette vision euh, que les Corses ont d'eux-mêmes et de leur territoire alors, euh, c'est une question à la fois intéressante et difficile dans la mesure où les raisons de cette euh, situation territoriale mériteraient une étude en tant que telle. Et peut-être d'ailleurs un jour ce sera le cas et on fera un, un programme de recherche, des études pour euh, analyser cette chose-là. Mais actuellement, l'espace de... Quelques peu de jours que j'ai euh, passés ici, et desquels c'est difficile de travailler euh, ainsi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs volets de cette construction. L'insularité en est certainement un, mais pas Peut-être pas forcément non plus dans la mesure où il ne faut pas retomber dans un déterminisme physique parce que là sinon on retombe dans le même déterminisme physique que les ressources, c'est-à-dire les insulaires seraient comme si et puis les grands continents seraient comme si et donc en Chine ils ont ils sont forcément ils ont une mentalité comme ça et puis dans le sud ils ont une mentalité comme ça parce qu'ils sont dans le sud et dans le nord ils ont une mentalité et là on revient au déterminisme physique donc je ne sais pas dans quelle mesure ce volet peut être étudié, mais en tout cas, il mérite d'être examiné. Et en, dans tous les cas, plusieurs volets participent à cette situation. Euh, la Corse se caractérise par une histoire politique spécifique, euh, par une histoire culturelle spécifique, euh, que peut-être d'autres îles n'ont pas eu. Euh, donc, plusieurs volets. Celui-ci fait partie de ceux à interroger, mais je dirais que je n'ai pas la réponse en l'état de quelques sommaires journées. Merci en tout cas. Peut-être quelqu'un d'autre. Alors, moi j'aurais voulu vous demander euh, pensez-vous que l'appropriation spécifique de l'espace faite par le sport de montagne peut exister de la même façon à travers les pratiques artistiques euh, Les arts du spectacle les arts du spectacle, pardon, peuvent-ils être un moyen spécifique de s'approprier le territoire corse, par exemple? alors, vos questions ne sont pas faciles. elles sont bien préparées, je, je, je le vois, et c'est euh, un grand plaisir d'avoir été ainsi euh, euh, anticipé, donc euh, euh, attendu même. Euh, la réponse serait oui c'est certain que un mouvement artistique alors je ne suis pas spécialiste de géographie de la culture et des mouvements artistiques mais en géographie de la culture il existe des mouvements il existe des écoles par exemple le breakdance a son origine géographique il est issu de certains territoires qui sont la référence pour le breakdance et quand on danse le breakdance on le danse presque aussi bien que dans quel ghetto il a été inventé. On se sent en infériorité sur cette pratique. Le, la valse, par exemple. Si j'invite euh, à danser la valse, eh bien, je vais peut-être danser la valse presque aussi bien, ou en tout cas, dans tous les cas, beaucoup moins bien qu'à Vienne. Parce que les valses, c'est à Vienne, avec les violons, avec l'Autriche, avec les, avec les calèches, avec la neige. Avec l'imaginaire. Euh, le rap, peut-être le rap. Eh bien, si je voulais faire du rap, je suis plus à l'aise en valse qu'en rap. Je, euh, parce que c'est vrai, je, je, je danse aussi. Euh, nous parlerons de danse une autre fois, mais je, je ne suis pas inconsistant en danse. Plus sur quatre temps que sur six temps, mais. Euh, en rap. Il n'y a pas de plus puissante référence que le rap de Marseille. On parle de la scène. Alors voilà, en géographie de la culture, on parle de la scène, la scène marseillaise, ou à l'inverse ceux qui se réfèrent plutôt aux Américains et qui font du rap en anglais, qui rapent en anglais avec leur culture euh, Brooklyn, etc., quartier de Chicago. Donc oui, dans le, tout à fait et de la même manière. Je vous confirme, même si c'est pas ma spécialité, la géographie de la culture a des écoles, des courants, des scènes qui impose dans le courant donné une domination à ceux qui s'inspirent de ce courant. La musique classique, de, de violon, etc. Est-ce que un rappeur marseillais se sent inférieur à un danseur de valse à Vienne Je ne suis pas certain. Est-ce qu'un danseur de valse à Vienne se sent inférieur au rappeur marseillais Non. Et donc là, je ne le sais pas, mais s'il existe ou si vous développez une scène artistique, soit musicale, soit dansante, corse, avec une, euh, un rayonnement autour de cette pratique, eh bien vous imposerez une domination, une légitimation dans un champ. Et peut-être qu'à Bordeaux, quelqu'un qui ferait la danse que vous avez développée, la, euh, la musique que vous avez développée, se référera à la Corse comme étant. Le lieu central de référence de cette culture donnée. Merci. Bonjour. Merci Bonjour. pour cette conférence. C'était très intéressant d'en apprendre sur, sur le sport. Déjà, j'aime beaucoup le sport, mais j'avoue que le sport de montagne, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime plutôt la marche à pied, tout ça. Donc, euh, ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Non, très, non. Très, c'est pas mon truc. La marche à pied, vraiment. Marche à pied en ville En ville, ouais. Oui. Mais parce qu'on est en Corse, quoi. Donc, la marche à pied en ville, ça fait comme si je me faisais des 10 km en montagne. C'est pour ça, ce côté de ski, de façonner la montagne et tout, je ne connaissais pas du tout. Mais je voulais savoir justement ce sentiment d'infériorité. Est-ce que vous pensez que ces peuples alpinistes pyrénéens, ils voient la montagne comme une, comment dire, un obstacle à, à traverser plutôt qu'une qu amie en fait Parce que vous dites qu'ici ici encore, on est fiers. En même temps, c'est normal. Dire, la montagne, elle nous donne à manger, elle nous donne de quoi nous, nous cacher aussi. À une certaine époque, on s'y cachait. Je voulais savoir s'ils si voyaient la montagne comme on redoute une tempête, ou est-ce qu'au contraire, pour eux, ils ont ce rapport euh, amical en fait de comment dire de construction et d'avenir, plutôt que de, de blocage. Alors, j'ai entendu le, les, les idées. Je ne sais pas si ça appelle une, euh, vraiment euh, euh, une réponse, si ce n'est. Non, je ne crois pas qu'un blocage. En fait, toutes les montagnes peuvent être perçues comme un blocage ou comme une ressource. C'est un peu autre chose, je dirais ça. C'est-à-dire que les Alpes ont aussi été perçues comme une barrière. On parle plutôt de barrière que de blocage. Euh, la montagne barrière euh, ou la montagne ressource. Ça, c'est un autre aspect qui a été, qui a été vrai euh, et qui est vrai un peu dans tous les massifs. Et pour vous dire, c'est plutôt une problématique très actuelle ou très ancienne. C'est-à-dire que c'est soit au temps agricole où la montagne était perçue comme euh, un obstacle à l'agriculture de plaine, euh, soit c'est dans la période la plus récente. Où le, la mondialisation veut une circulation des richesses et où euh, il y a tout ce qui est de la défense, des tunnels, du percement de la montagne pour mieux circuler. Mais c'est un peu autre chose. Là, on n'est pas dans la domination ou dans la. C'est un peu un autre aspect. J'aimerais aussi savoir, est-ce que vous pensez que par rapport au changement climatique, ce, tout ce que vous avez étudié, ça peut changer dans les, dans les années à venir ou est-ce qu'au contraire, ça va s'intensifier? Alors, cela va euh, changer, mais se reproduire euh, dans le même sens ou dans un sens différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné... Alors, déjà, premièrement, c'est quelle représentation du changement climatique euh, on... Je vais faire de la caricature et de la provocation, ne m'en voulez pas. Première représentation, j'habite à Strasbourg, imaginons, je ne suis pas de Strasbourg. Mais j'habite à Strasbourg, imaginons, réchauffement climatique, il va faire meilleur, je serai content, il fera chaud. Euh, c'est une bonne nouvelle, le réchauffement climatique, c'est une bonne nouvelle, il fera meilleur. Et peut-être qu'en Allemagne, il fera un peu moins froid l'hiver. Euh, première représentation. Deuxième représentation euh, du changement climatique, c'est la catastrophe. On va tous être inondés sous l'eau. Les villes vont dépérir, ce sera l'apocalypse et on va tous mourir de chaleur. C'est une autre représentation. Donc déjà sur le changement climatique, la première question c'est la représentation que les acteurs se font de, des évolutions du climat. Il faut savoir que l'humanité et l'espace terrestre a changé de climat plusieurs fois au cours de son histoire. Il y a eu le petit âge glaciaire, il y a eu l'avancée des glaciers, il y a eu le recul des glaciers. Il faut savoir que on, Enfin, je ne vais pas faire un cours de climatologie dont je n'ai pas la compétence euh, euh, puisque je suis en géographie humaine, pas en géographie physique mais bon euh, euh, ce qui compte c'est déjà la représentation que les hommes se font des changements euh, là je, je, je lisais il n'y a pas longtemps il y a, euh, chez les psychiatres aujourd'hui il y a des gens qui vont consulter parce que il y a une maladie là, qui se développe qui est le, la la climato-anxiété. Et il y a des gens aujourd'hui, à force d'entendre des discours sur le changement climatique, ils sont très anxieux, ils ont peur, ils se disent que les choses vont pas, ils ont très peur et ils, ils en souffrent. Bon, vous voyez à quel point... Elles, bon. Et euh, donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que si l'espace terrestre venait à changer, euh, je vais même pas parler de changement climatique, ce serait... Euh, ce, ce, le, les, inf, les effets seraient trop difficiles à évaluer euh, si on parlait de euh, imaginons, euh, imaginons je ne sais pas moi qui est euh, allez je vais, je vais faire encore plus de provocations imaginons qu'il y ait des mouvements tectoniques que les continents bougent et que la Corse se rapproche du continent euh, et qu'il euh, y ait un risque que la Corse ne soit plus une île parce qu'il y aurait des bancs de sable qui se rempliraient avec des courants et que tout ça euh, ferait que la Terre euh, commencerait et vous, vous seriez bientôt une presqu'île imaginons, j'ai pas dit autre chose Eh bien, première représentation infériorité, nous ne sommes plus une île euh, nous avons plus toutes les qualités du Nil nous ne pouvons plus faire ça nous ne pouvons plus infériorité deuxième nous avons gagné une liaison avec le continent nous allons pouvoir multiplier nos échanges économiques nous avons de nouvelles richesses nous allons pouvoir attirer plus de public par la route etc 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 et voici une richesse nouvelle et une supériorité par rapport aux îles, parce que les îles ne sont pas atteignables, tandis que nous, nous devenons atteignables, donc nous sommes supérieurs aux autres. Donc je crois que les infériorités et les supériorités dans les rapports de légitimité à l'intérieur des champs territoriaux se construisent et se, et se reconstruiront à quelque échelle du territoire qu'elles peuvent se dessiner. Peut-être une. Il y avait d'autres questions. Peut-être une question. À un moment donné, tu as évoqué la, la publicité faite sur la montagne mmh. à propos de la montagne. Peut-être développer un petit peu sur ce point-là quelles, qu'elles sont, qu'elles étaient au départ les images utilisées, les représentations. Est-ce que ce sont forcément des images d'épinal Voilà, peut-être des, des éléments à ce sujet. Alors. Oui, totalement. Donc j'ai étudié effectivement les réclames publicitaires, puisqu'à une époque ancienne, on parlait de réclames euh, pour ne pas être dans l'anachronisme, et je, je crois qu'un historien euh, aussi nous surveille et donc serait euh, euh, alerté par l'anachronisme euh, qui consisterait à parler de faire le buzz euh, au début du siècle. Euh, les publicités... Que j'ai rencontré sur d'autres espaces de montagne, effectivement, souffrait systématiquement d'une sélection alpine. C'est-à-dire que si, par exemple, alors là, je vous ai. Euh, voilà, si, par exemple, demain matin. Euh, voilà, si demain matin, les, les, la, la publicité pour la Corse ne présente que cette photo. Eh bien, on serait dans ce que les pyrénées font c'est-à-dire à essayer de montrer la partie que vous avez de votre territoire qui ressemble le plus possible aux alpes et de dire on est presque voyez c'est presque les alpes parce que il faut que je vous parle de, la, de cette fameuse image donc sur la couverture de mon livre donc sur la couverture de mon livre qu'est-ce que vous voyez pour la plupart d'entre vous alors, un sommet, mais quel sommet ça peut vous évoquer? voilà, le, le cervin en dans, dans, dans les alpes du nord euh, entre la suisse et... eh bien, ce n'est pas le cervin. cette montagne, c'est le pic du midi d'ossau dans les pyrénées, peint pour faire la réclame des pyrénées. et ce que je montre, c'est que dans cette réclame là, pour se vanter, les pyrénées cherchent imperceptiblement à imiter les alpes et à travers quelques traits notamment la cassure ici eh bien en fait on cherche pratiquement à euh, se montrer alpin et donc dans la publicité si on ne montre que ces images là soit par sélection soit par transformation donc euh, je répète premier cas ça c'est une photo de la corse c'est une vraie photo de la corse j'ai pas menti mais c'est une photo de la Corse qui est du type de la photo qu'on peut retrouver dans les Alpes et qui correspond à ce qu'elle appelle une image d'épinal des Alpes. Sélection. Deuxième modification, c'est-à-dire qu'on dessine les Pyrénées en les transformant imperceptiblement pour qu'ils ressemblent aux Alpes. Donc, ça, c'est ce que j'ai énormément rencontré dans les Pyrénées. Et jusqu'à présent, au niveau de la Corse, je n'ai pas ou peu rencontré de publicité qui ne soit pas explicitement sur des images d'épinal des paysages emblématiques de la Corse. Et notamment les cascades de. Euh... Ouais, les calanques de piane, c'est ça? Vous avez vu? Non Alors euh, je connais pas bien les noms de lieux et je peux me trompé, mais euh, par exemple les images que je vous montre là, ah, euh, tour du Cap, ouais. voilà, sont des images que la Corse, mais visiblement, moi je les ai rencontrées des dizaines de fois, même sur Google quand on tape Corse, on arrive sur ces images là, on n'arrive pas sur cette image là. Alors, est-ce que je crois qu'il n'y a plus de questions? Non, en tout cas, on débriefera en cours euh, sur euh, si tu permets, sur la conférence. Merci beaucoup. Et puis, euh, sous, sous l'égide du directeur de l'UMR-LISA, je peux dire que ça augure aussi de nouvelles euh, collaborations en recherche et enseignement, et peut-être pour le développement de la Corse aussi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Suchet. Avec grand plaisir. Merci de l'invitation. <applause> che disompia a molti patrioti, patria questa, un sogno cittadella, muri a un'idea zidella, di damp e